Eh bien, dis donc, un peu moins d'une heure, mais quand même presque une heure pour faire eh bien, toutes les pièces qu'il y avait ici. Salut Chiki, c'est Mouchou, comptez-vous, moi je vais bien. Et aujourd'hui, c'était l'ancien intro que je faisais avant. Non, maintenant c'est Mouchou pour servir. Et puis voilà quoi. En fait, j'avais abandonné l'ancienne intro parce que je trouvais que ça faisait une interaction bizarre. Genre, comment allez-vous, moi je vais bien. Genre, à quel moment vous me répondez dans les commentaires? Ouais, ça va super. Qui fait ça? Personne, voilà. Donc, j'avais pensé à autre chose et j'avais beaucoup aimé la réplique dans Le Hobbit où c'était Kili et Philippe pour vous servir et tous les nains qui passent par là. Et du coup, je voulais emprunter à ça et faire une référence, un hommage pour ceux qui l'avaient pas reconnu. Je suis level 57. On est à la cité des crépuscules. Au niveau du rapport, on est comment? On est bien. Collection 98%. Ah bah tiens, c'est la potion qui nous manquait du coup, la carte de combat. Et donc il ne va nous manquer qu'une seule carte. Je me demande où elle est, carte de combat. Potion, superbe. Superbe, superbe. Donc ce ne sera pas une nouvelle carte attaque. Hein. Et voilà, c'est une carte monde qui nous manque. Donc c'est formidable parce que du coup, vous savez ce que ça veut dire. Comment ça non? Mais si, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que vu qu'on gagne les cartes monde au fur et à mesure qu'on progresse dans l'aventure, eh bien on va forcément gagner la dernière, celle qui nous manque. Et ça veut dire qu'on complétera la collection des cartes beaucoup plus rapidement et qu'on n'aura pas besoin de faire de night farming. Non, il n'y en avait pas, j'avais annoncé au début du let's play et je le confirme à présent ici. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme personnage? Et tout à l'heure, il parlait de Naminé, enfin tout à l'heure, pour moi, il y a quelques jours pour vous, à l'épisode précédent, Rico a parlé de Naminé, mais à quel moment il a eu connaissance de Naminé en fait? Parce que il l'a jamais rencontré? Ou je me trompe? Enfin voilà, c'était plutôt étrange. Tiens, il y a quelques personnages dont il manque l'entrée. Au niveau de Sanker, il en manque... Ouais, il en manque un seul. Bon, je pense que ça va se faire quand même tout seul. Et histoire aussi, bien sûr. Bon, on y va, on avance. Ça m'a pris une heure de faire tout ça. On peut faire le chemin retour en moins de 5 minutes. Et on va du coup... Ouais, c'est où? C'est là. Ouais, c'est en bas. Oh, tant mieux que j'ai pas ça remonté. Cela dit, il faudra le remonter après pour le repos du conquérant. Mais au moins, ça sera bien mérité. Et ça portera bien son nom. Est-ce qu'on va avoir un autre boss à affronter? Parce que du coup, là, les boss de la cité des crépuscules, bah, Sora avait eu Vexen, et c'est tout. Riku a eu Neo Riku, et pour l'instant, c'est tout. Mais est-ce qu'on va avoir un boss différent, genre un Sanker ou Axel, peut-être? Va-t-il nous rester un ennemi à affronter lors de cette deuxième porte? Et quel sera le monde suivant? Tant de questions qui vont trouver peut-être réponse dans cet épisode là, je sais pas, on doit être très très proche de l'épisode final du let's play, hein. Rendez-vous compte, le let's play dans son intégralité, hein, partie Riku plus partie Sora, on est à deux doigts de l'achever et on s'approche de la fin, rien qu'en passant par cette porte qu'il va falloir qu'on déverrouille avec un total de 50, ok d'accord ça marche, bon j'ai bien fait de garder mes grosses cartes, tac tac tac, toi, qu'est-ce qu'on a en grosse carte? On a des doubles ou pas? Très peu de doubles, mais ça je m'en fous. Tac, tac, tac. Et voilà. Ok. J'ai consommé toutes mes terres d'amitié, parce que je n'ai pas d'amis. Parce que Riku n'a pas d'amis à part Mickey. Are you Naminé? Yes. I see. That was you. Huh? Forget it. Nothing. Please, come this way. Huh? Sora! What have you done to Sora? Nothing. He's just asleep. To get his memory back. So, Sora chose to forget about this castle, and get his old memories back? You have a choice to make, too. Why me, too? No one's messed with my memories. It's not your memories. It's your darkness. In your heart there is darkness, and in that darkness is Ansem. He may be at bay for now, but eventually he'll wake. And he will take over you just like he did before. But I have powers you can use. With my powers, I can put a tight lock on your heart. That way, Ansem could never come out from inside you. What happens to me if I let you do that? Will I forget? Everything? Like Sora? I'll have to. The darkness in you
will be sealed tight just like your memory. You'll stop remembering the darkness. You'll go back to how you were. Riku, please choose. He doesn't even look worried. Will I sleep like that too? Yes. Figures. Sora always did as he pleased. Whatever we'd be doing together, he'd find a way to slack off. Even trying to leave the islands. I did all the work on the raft by myself. That's it. When this slacker wakes up, I'll tell him off. I told him to take care of Kairi, and here he is just taking a nap. But I can't chew him out like he deserves, if I've been asleep. I don't need my heart locked. I'm ready. I'm gonna fight Ansem. But what if his darkness overtakes you? If that happens, then the darkness will show me the way. Yes, that's true. Why do I get the feeling that you knew I would say that? I didn't know. I hoped. I wanted you to face the darkness. Because you're the one who can. So that's the reason. That's why you came to my rescue inside that light. In the form of Kairi. When'd you know? I knew when I met you. You and Kairi smell the same. Look after Sora. Ça peut paraître vraiment awkward des fois cette histoire d'odeur. Riku qui sent plein de choses depuis qu'il est arrivé dans ce manoir. Quelque chose qui n'avait jamais été abordé par Sora lorsqu'il était dans le manoir. Avant quoi. Donc c'est vraiment. Facilité scénaristique pour l'occasion, là c'est vraiment des moyens qu'ils ont donné, enfin un pouvoir qu'ils ont donné à Riku pour lui permettre de mieux comprendre ce qui lui arrive autour de lui. Mais pourquoi pas, hein, après tout. En tout cas, donc Riku fait, fait le choix de laisser Sora dormir tandis que lui va affronter Ansem. C'est un petit build-up de la fin du jeu, non? En tout cas, on sait qu'il nous reste une chose à faire. Mais ce sera pas dans la Cité des Crépuscules, vu que, voilà, Repos du Conquérant, on a pas eu d'autres boss à affronter, excepté du coup Neo Riku juste avant. Mais voilà, tout ce qui doit se produire se produira dans le monde suivant, qui sera sans doute le Manoir Oblivion si nous suivons le même chemin que Sora avant nous. Enfin, c'est pas vraiment le même, vu qu'on est au sous-sol et que lui était dans les paliers supérieurs. Mais on obtient à peu près les mêmes cartes globalement, surtout en cette fin de jeu. En tout cas, est-ce que Diz va nous aider à nous aiguiller, et est-ce que Mickey va être de retour? Coin agressif. Voilà, donc il faut monter tout en haut. Il faut le mériter, ce repos du conquérant. Il faut avoir subi avant une grande ascension. Et voilà, hop là, on y est. Après Cité des Crépuscules, dans la partie avec Sora, on avait dû affronter l'Arxène, ce qui n'était pas une mince affaire. Je crois que c'était l'Arxène. Hein. Cette fois-ci, je ne sais pas ce qui nous attend derrière, mais peut-être quelque chose de coriace, quelque chose de chaud. Donc on y va. Oh, gosh! I guess you decided not to go to sleep. How'd you know that? I heard it from Diz. Do you know him? Well, I'm not sure. Got a feeling that I've met him somewhere. Hey, who are you? I could be nobody or anybody. It is up to you whether you choose to believe in me or not. Boy, you really like pushing decisions on other people. And you have pushed away slumber,
making the choice to face Ansem. Do you think I'm reckless? You have chosen your own path. Are you supporting me? Or are you abandoning me? That will be your choice as well. What's this? The organization will pursue you. Like a pack of hunting dogs, they will sneak up on you if they sense your presence. However, this cloak that is worn by nobodies will render their eyes and their noses useless. The ears, not so. They wear this to give themselves protection from being devoured by darkness. Is it clear? Even the organization cannot rule the darkness. Doesn't matter. I won't run from the darkness. The card will draw out your heart's darkness. Finish your business with Ansem. Come on. Let's go. La carte obtenue du manoir Oblivion, et ça y est, je pense que nous avons complété la collection des cartes. Ce qui est une très très bonne chose. Collection 100%, celui qui gouverne les cartes. Et ouais! Carte monde, le manoir Oblivion permet de visiter le manoir Oblivion utilisable au sous-sol 1. Qui nous laissera gravir peut-être le rez-de-chaussée, une fois qu'on en aura fini avec. Alors qu'est-ce que nous dit le roi? Il y a 10 dans les parages ou pas? Non, il se montre pas. J'ai comme l'impression d'avoir déjà rencontré 10. C'est plutôt de bon augure alors, si le roi... la pureté absolue, le roi, hein, vraiment, c'est genre l'être de lumière. Mais c'est Yoda, en fait. C'est Yoda, tout simplement. C'est un petit être qui manie une Keyblade très puissante, hein, la Keyblade du Royaume des Ténèbres, qu'il avait récolté, du coup, avant de sceller la porte. Et qui est un de nos meilleurs alliés. Est-ce qu'il a... D'ailleurs, il n'a toujours pas sorti sa Keyblade. Est-ce qu'il l'a toujours avec lui ou pas? He said this card will draw Ansem out. Don't worry. We can defeat him together. Sorry. I've got to face him alone. But why? There's no point in doing this if I can't do it on my own. But I do need a favor. If Ansem is the victor, he is going to enslave me. If that happens, use your powers to destroy... Of course! I'll be right there to save you. Huh? No, that's not it. I want you to destroy... No way! No matter what happens, I'm gonna be right there to help you. I promise you that. Unless you don't believe I'll come through for you. I choose to believe in you. Always, Your Majesty. And I in you. You're not gonna lose. I know it. Thanks. Il y a vraiment quelque chose qui se fait entre Riku et le roi, de la même manière que les liens d'amitié qui unissent Donald, Dingo et Sora, mais de manière beaucoup plus mature, et j'aime beaucoup ce lien qui existe entre Riku et... Enfin, qui commence à exister entre Riku et Mickey, du coup. Tu ne laisseras jamais les ténèbres prendre le dessus, j'en suis certain. Eh bien, espérons-le, sous-sol numéro 1, il est temps de brandir la dernière carte que nous possédons, celle du Manoir Oblivion, qui nous mènera... Ah, Ansem, on le sait maintenant, c'est la dernière épreuve de Riku, celle qu'il doit affronter pour triompher des ténèbres en lui. Et comme l'a dit Deez, même les membres de l'organisation n'arrivent pas à maîtriser les ténèbres, mais au moins on pourra les contenir. Ansem, where are you? Show yourself! Why in such a hurry?
I'll be here at the very heart of darkness, watching you plunge into the same darkness inside of you. Ah, clé d'ouverture. Donc il ne se laissera pas faire si facilement. Cette musique! Le manoir Oblivion! Nous y sommes de retour à l'intérieur, ça y est! Dans le sous-sol moins 1, c'est ici que finit notre aventure. Trois pièces. Enfin, même deux. Non, trois, en comptant la pièce inconnue. Eh bien, cette vidéo va être l'occasion de remonter tout le manoir jusqu'à arriver devant la porte qui sera du coup révélée lors de l'épisode final qui se déroulera au prochain opus, au prochain épisode du coup. Ça sera l'épisode 44 qui terminera ce let's play à coup sûr. Alors, ah oui, ils disent le DualShock est à un niveau de basket faible. Écoutez, attendez, je finis de combattre ces 5 heures et après laissez-moi faire. Alors Darkness, oui, oula, j'ai l'élan inversé qui va être vraiment très pratique contre ces 5 heures. Voilà. Tac. Ok. On a peut-être un niveau à gagner, voire deux, avant d'affronter Ansem. Ce qui serait, à ma foi, fort pratique. Bon, j'ai l'impression que mon deck est pas trop mal. 5-4-3. Je sais pas si c'est le même deck qu'on utilise, vous savez, en haut des paliers. 9-7-4. Et j'ai l'impression que c'est ce deck-là qu'on utilise en haut des paliers. On avait un deck spécifique qui revenait à chaque fois lorsqu'on était... ah non, c'est pas le même deck parce qu'on n'a pas de potion. Mais on avait un deck spécifique qui était à chaque palier. Érudit Riku, super. Ça doit être le fait que j'ai complété le 5 cœurs. Oui, donc je disais, à chaque fois je me coupe. On avait un deck qu'on pouvait utiliser à chaque entrée de palier ou à chaque sortie. Donc quand on l'a utilisé contre l'Exaos, contre Riku au début et tout. Et c'est pas le même deck du coup. Ça c'en est différent quoi. Waouh. Tout ombre, ça reste quand même assez badass. Hein. Un petit clair inversé, ça va faire du bien. Waouh, je vais pouvoir faire un gros miracle là. Un gros miracle qui va me soigner toutes mes vies. Peut-être pas toutes, mais une bonne partie. Et qui va me regagner mes cartes. Super. Et toi, tu crèves. Ah non, t'es pas encore mort. Et les crypto-ombres, elles sont vraiment. Genre. Super. Alors, qu'est-ce que j'ai. Enfin, là, c'est toujours le booster d'arc hein, que j'augmente. Je suis pas encore à 60 points d'arc. Qu'est-ce que j'ai obtenu en fait? Rapport des. Ah, ben voilà! Oh, joli! Toutes les têtes de Mickey. Personnage 1, Naminé. Jeune sorcière capable de modifier les souvenirs au service de l'organisation. Naminé prit la place de Kairi dans les souvenirs de Sora afin de le manipuler. Mais devant la bonté du garçon, Naminé abandonna ce plan machiavélique. Désormais, elle protège Sora en attendant que la mémoire lui revienne. Et d'ailleurs, c'était Neo Riku qui protégeait Naminé. Et maintenant qu'il n'existe plus, il va falloir que quelqu'un protège Naminé qui protège Sora parce que sinon, il va pas se dormir tout seul. Bon, ça sera Riku, coup sûr, évidemment. Il a décidé de pas dormir, mais plutôt de veiller sur lui. Véritable énigme. Diz est apparu devant Riku sous les traits d'Ansem. Il demanda au jeune homme de se décider face aux ténèbres dans son cœur. On raconte que Diz et le roi se seraient déjà rencontrés. Mais c'est pas on raconte, c'est le roi qui le dit. Numéro... Ah, on a le numéro d'Axel, tiens. Numéro 8 de l'organisation. Alors, on connaît le 6. Non, le 4, le 5, le 6. Le 8, c'est Axel. Le 11, c'est Maruxia. L'Arxen, on sait pas. Et pour l'instant, c'est les seuls personnages qu'on connaît. Mais il y a fort à parier qu'il y en a d'autres. Vu qu'en plus ils ont dit que l'organisation continuait de traquer Riku, ça veut dire qu'ils sont pas vaincus pour autant. Ses objectifs sont inconnus de tous, ouais, c'est ça qui le rend cool. Axel n'hésite jamais à manipuler et exploiter les autres, il a utilisé Sora et Naminé pour contrecarrer les vues de Maruxia sur l'organisation. Il affirme que lui et Sora ont un point en commun, mais lequel? Intéressant, numéro 11 de l'organisation, ok d'accord. On a réussi à attirer Sora au manoir Olivier afin de voler ses pouvoirs et contrôler l'organisation. Il oblige Naminé à manipuler les souvenirs de Sora et parvient à persuader Vexen d'affronter notre héros. Tout fonctionna jusqu'à ce qu'Axel ne libère Naminé. Alors fut finalement éliminé par Sora. Et l'Arxen, on va reconnaître son numéro, le 12.
Ok, d'accord. Donc l'organisation est bien plus grande que 12 membres, vu que... Enfin, au moins 12 membres. Larksen s'associa à Marluxia pour prendre le contrôle de l'organisation et elle souhaita qu'Axel participe à cette conspiration. Toutefois, son odieuse personnalité provoqua sa chute, car elle ne put résister face à la colère de Sora. Ok. Les 100 cœurs. Crypto-ombre. Sans cœur, bon, on s'en fout, mais on a débloqué son entrée. Superbe. Et histoire. Riku 6. En maîtrisant les ténèbres, Riku a acquis un grand pouvoir, tout comme Ansem. Guidé par l'énigmatique Diz, Riku rejoignit la cité du crépuscule. Là, il affronta son double et rencontra Namine. Avec la jeune fille, il retrouva Sora et ses amis, plongés dans un profond sommeil à la recherche de leurs souvenirs perdus. Selon Namine, Riku pouvait se débarrasser définitivement d'Ansem en l'oubliant, mais Riku refusa de perdre la mémoire. Aidé du roi, Riku entend combattre une dernière fois Ansem, où l'entraînera cet ultime combat? Eh bien, au plus profond du manoir Oblivion. C'est là où on va aller. Tac. En tout cas, je suis content, j'ai réussi à compléter le carnet de Riku et celui de Sora. Et c'est globalement ce que je voulais faire. Essayer de, à chaque fois de compléter les carnets dans les jeux Kingdom Hearts. Bon, le level maximum, c'est pas quelque chose que j'aspire à faire. Surtout qu'on m'a dit que monter Riku au level max dans Chain of Memory, c'était vraiment la pire des choses par rapport à tous les autres jeux Kingdom Hearts. Alors ouais, c'est chiant. Je peux pas faire une Dark Aura? Ah, si. Eh bien, ça touche personne! C'est nul! Allez, crève. Ok, bon. Pas mal. Ouais, il donne vraiment beaucoup d'XP. Hein. Je pense que si tu dois faire Riku, c'est forcément Manoir Vivian avec les trois misérables pièces qu'il y a, mais faut en profiter. Quoi. Ok, c'est pas mal. Non, ça c'est nul. On est presque sur le point de devenir dark et ça y est, la darkitude s'empare de nous. Wow, tranquille. Dark brasier pour le sorcier. Ça c'est trop bien ça. Même le dark brasier c'est une attaque physique parce que du coup le sorcier il a pas de regain avec. Ça veut vraiment dire que... Enfin, toutes les attaques de Riku passent en fait à chaque fois. Il n'y a pas de regain avec n'importe quel ennemi, c'est trop bien. Ah mais c'est fou le nombre d'XP qu'on a. Par rapport à tous les autres mondes, je veux dire. C'est vraiment genre, il y a un gros upgrade du leveling ici, particulièrement. Ok, cool. Ok, cool. Ok, cool. Ce serait bien que je passe en dark mode. Enfin, déjà que je regagne de la vie, ce serait pas mal. Ça aussi. Par contre, je laisse passer plein d'XP à côté de moi. Allez, encore un petit effort. Et Darkness. Comme ça, un petit élan inversé, ça finira la pièce peut-être. Non. Je suis peut-être un peu trop optimiste. Bon, ça va faire un petit ménage quand même. Ouais, c'est pas mal. Oh, crève. Oh, j'ai dit crève. Voilà. J'ai à nouveau plus de vie, hein. Ça part très vite dans ce manoir. Hein. Je suis pas non plus ultra safe dans la manière dont je combat. Donc on récupère tout ce qu'on peut. Hein. Les orbes de vie. Voilà. Je crois que c'est le dernier ennemi de la pièce. Et je crois du jeu aussi, oui. Ok. C'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Darkness sont au fond de moi. Cool. Ah mince, je peux faire un élan inversé depuis le début. Après, il a pas été non plus fou tout à l'heure. Voilà, il y a des ennemis qui sont plus sortis du sol, donc ça devrait mieux marcher. Ah si, c'est quand même ravageur. Hein. Je vais vraiment obtenir un autre level dans cette pièce là quoi.
Oula. Duel de cartes. Oui. Dark Maelstrom. Non. Ok. Regagne-moi ma vie. Allez, est-ce que un sorcier se... Ah merde, putain. Je suis à 56 de passer à un level suivant et il n'y a plus d'ennemis dans cette pièce. Oh si, il y en a un. Ah, il m'a entendu. Eh, ça y est, petit level up. Alors, là, on fait tout pour passer en mode dark. Pas mal, ça. Oh, c'était le dernier ennemi du jeu. C'était le dernier que je vais devoir tuer. Dernier sans cœur. Et oui, c'était lui. Ok, super. Booster attaque pour la dernière amélioration que j'ai à faire. Tête brûlée. Ah, intéressant. Je me demande, est-ce que ça veut dire que j'ai augmenté l'attaque au maximum de ce que Riku peut avoir? Je me demande. Allez, un petit espace sécurisant. Avec un point de sauvegarde. Hop! La vie à 100%. Et pour finir... Eh bien, un espace sécurisant. Voilà, si vous n'avez pas calculé, on est à la dernière pièce du jeu. Mais définitivement, là ça y est, on n'a pas... Y a pas une autre aventure après celle de Riku et de Sora, je vous l'annonce de suite. Le dernier générique qu'on verra dans l'épisode suivant, ce sera le dernier du jeu. Et il y aura pas un autre personnage joué, genre Kairi qui arrive dans le manoir. Non, non, ça n'existe pas, c'est dans vos rêves, c'est faux, tout est faux. Ce qui restera, ce sera l'aventure de Sora et de Riku. Et on se retrouve dans l'épisode numéro 44, qui sera l'épisode final de ce let's play. Il va falloir que je me chauffe, il va falloir que je fasse une autre vidéo de conclusion comme j'avais fait pour la fin de l'aventure Sora. Vous aviez bien aimé et ça m'a fait plaisir que vous aviez aimé parce que j'avais passé du temps, mais là j'ai envie de faire un montage qui sera cool à mater et qui résumera l'aventure de Riku, qui a été mine de rien riche, qui nous a révélé tout ce qui s'est passé après Kingdom Hearts 1 pour ce personnage là. Bon, vous êtes prêts? Dans 2 jours, hein. Enfin, je vais essayer de faire en sorte que l'épisode final sorte dans la lignée de ce que j'ai sorti jusqu'à présent, de ne pas vous faire attendre comme l'épisode final de Sora. Ouais, je vais essayer de faire en sorte d'être à l'heure pour cet épisode-là, de ne pas vous faire attendre. Et puis voilà. Gros mouchou, à la prochaine, salut tout le monde. Bye.